L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Le pavé de l'ours. Un film radiophonique de Roger Falère. Réalisation Ange Gilles. À terme, 3,5, 52, 58, 185, moins 0,80. 5% 56, 79, 80, moins 35 centimes. Au comptant, 4 en quart, 43, 4, 63, 175, 40, moins 0,60. 6% 1967, 398, moins 20 centimes. De nouveau à terme, caisse de l'énergie, 3%. 482, moins 8. Banque de l'Indochine, 333, moins 4. Compagnie bancaire, 583, plus 1. Crédit commercial, 165, plus 1. Crédit foncier, 545, moins 2. Entre. Crédit industriel et commercial, 322, plus 4. Excuse-moi de te recevoir, Simon. Oh, mais pas du tout. J'aurais dû me rappeler qu'à cette heure-là, tu écoutes tous les jours ton émission. Eh oui, tu vois, les habitudes n'ont pas changé depuis un an, c'est-à-dire depuis ta dernière visite. Oh, je sais bien que ma compagnie n'a jamais été très gaie. Et d'ailleurs, tu n'as aucune excuse à me donner. Je te trouve magnifique. Oh, merci, Lucien. Et tu es très en forme, toi aussi. Ah, ça ne va pas trop mal. Tu sais que j'ai pris ma retraite depuis 8 mois. Ah, et tu ne t'ennuies pas trop toute la journée? Oh, Carpeau vient me voir de temps à autre. Madame Touzet s'occupe du ménage. Et puis j'ai la bourse. Évidemment, ce n'est pas très varié. J'aurais aimé profiter de ma retraite pour voyager. Enfin. Et toi, ça va? Ça va. Tu n'as pas l'air très convaincu. Ton ami n'est pas gentil avec toi? Oh, à sa façon. Tu n'as toujours pas fait refaire les peintures. Ah non, j'en ai eu l'intention et puis finalement, ça en est resté là. Rien que l'idée d'avoir à ranger tous mes papiers me rendait malade. Et puis, tu sais, pour moi, le cadre n'a jamais eu beaucoup d'intérêt. Sans compter que ça m'aurait coûté. Je ne t'ai même pas offert de café, mais il est prêt. Oh, reste assis, je vais le chercher. Bien. Ah, je ne retrouve plus rien dans la cuisine. Ah, bien sûr. Depuis le temps que tu n'es pas venue, Madame Touzet se croit chez elle. Elle organise, comme elle dit. Tu regrettais tellement de ne pas me voir? Évidemment. Même si je ne sais pas le montrer, j'aime bien quand tu es là. Tu es toujours aussi bon, Lucien. 2 sucres? Oui, toujours. Tu veux un peu d'alcool? Oh non, 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 merci. Oui, je me sentais si gênée de ne pas avoir pris de tes nouvelles que je n'ai pas osé monter directement. Alors, je suis d'abord passée voir Carpeau à la banque. Il m'a dit que tu allais bien et que tu lui parlais même de moi de temps à autre. Ça m'a encouragée à venir. Oui. Ouais, il a bien fallu que je le mette au courant. Au début, je disais que tu étais chez ta mère, mais par la suite, j'ai dû trouver autre chose de plus plausible. Tu lui as dit la vérité? Oui. Mais tu sais, il a très bien compris. 26 ans d'écart, ça fait beaucoup. Je ne pouvais pas m'opposer à ton départ. Tu aurais pu demander le divorce. Pourquoi faire? Tu reviendras ici quand tu voudras, s'il t'en prend l'envie. Mais si tu es heureuse comme ça. Non. Il n'est pas gentil avec toi? S'il n'y avait que cela. Je peux bien te le dire, il m'a envoyé ici pour t'emprunter de l'argent. Ah, il a des ennuis? Bien sûr. Tant que j'ai pu l'aider, ça allait bien. Ensuite, il s'est lancé dans l'automobile d'occasion et a loué un terrain pour exposer ses voitures. Seulement, depuis 3 mois, il n'a pas payé la location. Alors, le propriétaire se fâche. Gérard lui doit 3 000 francs. À nouveau, bien sûr. Tu sais, s'il n'y a que cela, je... Non, Lucien, tu ne me comprends pas. Je ne suis pas venue pour te demander de l'argent. Alors pourquoi? Je ne sais pas.
J'avais besoin de te voir. Mais si, tu sais, il faut me parler. Non. Tu peux avoir confiance en moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu vois comme c'est bête, Lucien. On dirait que la vie se venge. Tu as 56 ans, j'en ai 30 et Gérard en a 23. Je t'ai quitté pour aller avec lui. J'ai eu tort. Eh bien, je ne vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans. Tu te rappelles ce que je t'ai dit il y a 3 ans? Oh. Ici, tu es toujours chez toi. Tu veux revenir? Si tu savais ce que je peux avoir honte. Oh, et puis, c'est pas aussi simple. Si je ne suis pas revenue depuis 1 an, c'est qu'il y a une raison. Grave? Tu vas juger par toi-même. Il y a 10 mois... Ah, tu sais quelle heure il est? Oui, 5 heures. Tu sors de chez ton mari? Évidemment. Alors, il marche? Si j'avais insisté, il aurait marché. Comment, tu lui as pas demandé l'argent? Non, tu plaisantes ou quoi? Inutile de t'agiter, non. Je n'ai pas demandé d'argent. D'autant que Lucien est maintenant à la retraite. Oh ben alors ça, c'est la meilleure. Mais enfin, tu connais la situation, je me débats dans des difficultés terribles, et toi tu me laisses tomber. Bah, enfin, toi ou ton mari, quoi, bah, c'est tout de même pas ma faute si les affaires vont mal, non? Ce n'est pas non plus la mienne. Mais puisqu'il était d'accord pour les 300 000 francs, fallait les prendre. Parce que sa femme ne te suffit pas. Pas pour payer Émile. Et puis les grands sentiments, tu peux les garder pour toi. Oh, d'ailleurs, je vois pas ce que tu en ferais. Oh non, s'entendre dire ça au bout de 3 ans. Genre, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble, hein? Tu devrais tout de même savoir ce que c'est que de lutter, de tenir une affaire à bout de bras. Tu ne dois pas être trop fatigué pour ce qu'elle pèse. Bon, évidemment, toujours l'ironie. Mais si l'affaire est petite, hein, à qui la faute? Il faut des capitaux pour la relancer, faire du marketing, de la publicité, ce que je sais, moi. Non, écoute, mon petit chéri. Hein? Voilà, tu vas retourner chez ton mari. Hein? Un petit retraité, ça a des économies. Bon, forcément, cet homme-là n'a pas de besoin, alors tu lui exposeras la situation. Tiens, s'il le faut, j'irai avec toi. Alors tu vois que je suis pas à cheval sur les principes. Gérard. Oui. Parlons sérieusement. C'est décidé. Je pars. Répète. Je reprends la vie avec mon mari. c'est la rupture, en somme. C'est... Oui. La rupture... Au moment où mes affaires vont mal. Oh, elles n'ont jamais été bien. Que ce soit les voitures d'occasion, les assurances ou les produits d'entretien à la sauvette, tu es incapable de réussir quoi que ce soit. Bon, parfait. Bon. Alors, soyons précis. En somme, tu retournes chez ton mari. Je viens de te le dire. Et il est d'accord? Là, évidemment. Et la petite? Tu lui as parlé de Martine? Oui. On l'élèvera à la maison. Non, mais dis donc. Tu oublies que c'est ma fille. Elle également, c'est la sienne, puisqu'elle porte son nom. D'ailleurs, tu t'es jamais occupé d'elle et je paie la nourrice, alors... Quant à mon mari, il est fou de joie. Et il a toujours voulu une fille. Heureusement que j'étais là. Il faut bien que tu sois bon à quelque chose. Et puis, je te connais assez pour savoir que cette solution t'arrange. Ouais. Maintenant, te voilà libre. Moi... Mais je t'ai aimé, moi. Je te crois, tu aimes toutes les femmes, surtout quand elles ont de l'argent. Mais en somme, on se sépare fâché. Oh, mais je n'y tiens pas. Si même je pouvais faire quelque chose pour toi, je le ferais. Ne serait-ce que pour être tranquille par la suite et ne plus te revoir. Oui. À quoi penses-tu? C'est ce que tu viens de me dire. Je réfléchis, moi. Dis donc, qu'est-ce que vous allez faire tous les deux? Ton mari et toi, toute la journée, maintenant qu'il est à la retraite. Mais je n'y ai pas encore pensé. Encore une chance que je sois là. Fais-lui acheter la décapotable. Bah, au moins, vous pourrez sortir. Bon, je sais que tu me reproches de ne pas être sérieux, mais cette voiture, ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée. Non, mais c'est toi qui veux la vendre. Bon, n'exagère pas. Tu as lui-même t'as dit que c'était une bonne voiture. Et tu as confiance en lui. Bon, le fait est qu'elle n'est pas mal. Et tu en veux combien?
Ou à 600 000, quoi. De quoi rembourser. De quoi rembourser Tual et puis vivre un peu, quoi. Je ne te garantis rien, mais je peux en parler à Lucien. Ah, inutile de te dire qu'il faudra que ça se fasse dans les règles. Bah, évidemment, évidemment. Bon, alors, quand est-ce que je le vois? On est jeudi. Bah, je te rappellerai en fin de semaine. Oui. Mais après ça, ce sera fini une fois pour toutes, nous deux. Toi, tu es une chèque-fille. Dis donc, Marie-Josée, si je peux quelque chose pour toi, n'hésite pas. Non, tu en as déjà trop fait. Maintenant, laisse-moi faire ma valise. C'est toi. Eh, comme tu vois. T'as mon argent? Tout juste. Je venais te chercher ma clé pour sortir la décapotable. Tu pourrais me faire une petite révision dessus? Ouais. Tu l'as vendu combien? 5 000. Bah, il vaut mieux que ça. Mais je te crois. Dis donc, il faudra aussi un lustrage. Hein? Ouais, pourquoi pas. Dis donc, c'est du liquide ou un chèque que tu m'apportes? Bah, aujourd'hui, c'est samedi, les banques sont fermées et... Tu l'auras lundi, ton chèque. Ah, vraiment, oui. Bah oui, quoi. Tu me connais. Oui, oh, oui, oh, depuis 3 ans. Mais j'ai pas la tête enflée à cause de ça. Ça sera même plutôt le contraire. Avec toi, j'ai eu que des ennuis. Oh, pas cette fois, mais j'ai le client. Et tu sais à qui je l'ai vendu, la décapotable? Non. À Boitel. Eh, le mari de Marie-Josée. Mais il a pas de rancune. Bah, il me doit bien ça. Tu lui rends sa femme. Ouais, au bout de 3 ans, sans ses économies et avec un gosse. Eh. C'est toujours ça de fait. Ouais. Note bien qu'on s'est séparés en bon terme avec Marie-Josée. Hein. C'est elle qui m'a fait vendre la voiture, puis qui vient de me donner l'accord par téléphone. Livraison demain à domicile. Ça m'étonnerait. Hein? Parce que la voiture, ben, elle sortira quand j'aurai mon argent, pas avant. Oh, ben ça va pas, Emile, quoi. Comment veux-tu que je te paye si je vends pas la voiture? Ben, demande un acompte. À Boitel? Ah, oh, ben, ça serait correct. Oh, oui. Oh, ben, je t'ai vu faire pire, oui. Dans le commerce, il faut se défendre. Ouais. Hein. Bon, en tout cas, Marie-Josée était formelle. Son mari veut d'abord voir la voiture, il veut l'essayer. Hein. Alors, si je peux pas la lui présenter, il se méfiera. Ben, c'est pas moi qui lui reprocherai. En ce qui me concerne, moi, c'est clair. Hein. La voiture contre l'argent. Oui, parce que si tu la sors aujourd'hui, moi, je te revois plus pendant 6 mois. Ouais, en somme, tu m'empêches de travailler. Ben, tu sais bien que non, puisque je t'ai loué un emplacement. Un emplacement dont tu ne m'as jamais payé la location. Ouais. Bon, c'est ton dernier mot? Oui. Si je me fâchais, moi. Écoute-moi, mon petit gars. T'es toujours élégant et t'as un visage plutôt agréable, oui. Ben, comme finalement il ne te reste que ça, avoue que ce serait dommage que j'abîme ton capital. On va pas se disputer, non. Gérard. Et quoi? Un petit conseil. Cet après-midi et demain dimanche, je suis pas au garage. Mais ne cherche pas à en profiter. Comme tu ne connais pas grand-chose à la mécanique, il pourrait arriver un pépin dont tu serais responsable. À lundi, avec l'argent. Eh bien, à votre santé, monsieur Boitel. À votre santé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Elle n'a pas l'air mal, du moins extérieurement. Oh, ben vous êtes dur, monsieur Boitel, de me dire ça. Surtout après un essai comme on vient de faire. Hein? Et monsieur Carpeau, qu'est-ce qu'il en pense, lui, qui vient de la conduire? Ah oui, donnez votre avis, Carpeau. Elle n'est pas mal, mais elle a tout de même 42 000 km. Et pour une voiture de sport, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais dites, c'est une première main? D'ailleurs, vous avez vu la carte grise? Oh, ça ne veut rien dire. Tout dépend de la façon dont elle a été conduite avant. Écoutez, monsieur Carpeau, une voiture, ça se juge à l'essai. Est-ce qu'elle a des reprises, oui ou non? Elle est nerveuse. Ah, elle est nerveuse. Hmm? Bon, et le freinage? Il est correct. Il est correct? Mais alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais elle a tout, cette voiture, quoi. Elle a le freinage, la tenue et les reprises. Je parle pas des pneus qui sont neufs, de l'embrayage qui a été refait et de la carrosserie qui est impeccable. Et avec ça, vous avez des pointes à 165. C'est ma femme qui conduira. Je ne pense pas qu'elle roulera à cette vitesse. Oui, peut-être, mais enfin, la vitesse, dites-moi, c'est important. Hein?
Et il faut de la réserve de puissance. Si vous voulez doubler un camion, tout ça, et hop, voilà. Il faut pouvoir. C'est indispensable pour la sécurité. C'est bien votre avis, monsieur Carpeau. Moi, je n'ai rien contre cette voiture, si ce n'est qu'elle est d'occasion. Bah, dites-moi, le prix aussi est d'occasion. Vous n'avez qu'à prendre l'Argus. Elle vaut 100 000 de mieux. Enfin, ou 1 000 de mieux, comme vous voulez. Et je vous ai laissé la radio. Vous savez, ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Oui, peut-être, mais enfin, une opinion de connaisseur, c'est important. Bon, sérieusement, monsieur Boitel, ça m'ennuierait de vous voir rater une affaire pareille. Et vous donnez une garantie? Évidemment. Madame Boitel a dû vous parler de moi. Oui, oui, mais pour la bonne règle, il vaut tout de même mieux un papier signé. Ah, vous l'aurez lundi, monsieur Boitel, lundi. Moi, l'associé est garagiste. Vous savez, dans notre métier, il faut travailler sérieusement, hein. On n'a pas intérêt à tromper le client. Parce que... c'est qu'il y a les tribunaux. Bon. Dites, alors, je vous la laisse, hein. Bah, mon Dieu, oui, puisque Carpo a l'air de la trouver bien. Bon, et pour le prix? Bien, je vous ai préparé un chèque. Pas de liquide? Non. Le chèque est de 4 500. Si on fait l'affaire, je vous le donne. Non, mais 4... Et voilà. Ah, mais... 4 500, non, mais à ce prix-là, vous... Vous me mettez le couteau sous la gorge, monsieur Boitel. C'est qu'en ce moment, les affaires, vous savez, c'est pas facile. C'est... Oui, je n'ai pas prévu davantage. Mais si vous voulez réfléchir, on se reverra, peut-être. Non, non, c'est pas la peine, puisqu'on est là, on est ensemble. Alors, dites-moi, si on coupait la poire en deux. Hein? En deux. On fait un effort de chaque côté, et puis vous prenez la voiture. J'ai les papiers, j'ai les cartes grises. Certificat de vente. Non, j'ai prévu 4 005. Je ne pense pas que M. Boitel revienne sur sa décision, M. Le Bail. Ah bon? Eh bien, dans ces conditions, c'est d'accord. Mais c'est réellement un prix d'amis. Vous pourrez le dire à Mme Boitel. Vous n'avez vraiment pas de liquide? Non. Vous ne traitez jamais en chèque? Ah ben, uniquement les grosses affaires. Avec les amis, on travaille davantage en liquide. Ce n'est pas légal. Bah, bien sûr, M. Carpeau, ce n'est pas légal, mais dans la voiture, c'est un peu spécial. Vous savez, du moment que le client est satisfait... Voici le chèque. Ah. Vous pourrez le toucher lundi à l'agence. Merci. Qui est à côté. M. Carpeau y sera et vous n'aurez pas à attendre. Bon, alors c'est très bien. Mais voilà les papiers. Vous pouvez vérifier. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Bon. Eh bien, dites, vous allez m'excuser, monsieur Boitel, pour la tournée, mais j'ai pas un sou de monnaie sur moi. Ça n'est pas grave. Bon, donc, tout est en règle, hein. Alors, naturellement, si quelque chose n'allait pas, vous passez un petit coup de téléphone au garage, mon associé est prévenu. Au revoir, monsieur Boitel. Au revoir, monsieur Le Bail. Au revoir, monsieur Carpeau. Et heureux de vous avoir connu. Et peut-être qu'un de ces jours, on se reverra. Enfin, au cas où vous changeriez de voiture, hein. À l'occasion. À l'occasion. Toujours le mot pourri, monsieur Carpeau. Bon. Alors, à lundi, à la banque. Au revoir. Monsieur Le Bail n'a pas l'air de vous plaire, Carpeau. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je le sens et je vous connais. Nous avons tout de même travaillé ensemble pendant 10 ans. Ou alors, c'est la voiture qui vous déplaît. Oh, au contraire, je crois même que c'est une bonne occasion. À l'Argus, elle est plus chère et elle me semble saine à la conduite. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est le vendeur qui vous déplaît. Oui et non. Il y a longtemps que vous le connaissez, ce garçon? C'est ma femme qui le connaît. Ah oui. Il y a aussi autre chose, si je peux me permettre de vous en parler librement. Allez-y, allez-y. Pourquoi avez-vous acheté une voiture? Pour sortir, bien sûr. Ça fait longtemps que j'en avais envie, vous le savez bien. Oui, mais alors pourquoi d'occasion? Vous auriez pu avoir beaucoup mieux en neuf, hein? Infiniment mieux. Celle-ci plaisait à ma femme. En somme, elle vous a poussé à cet achat. Oui, mais elle a eu raison, puisque cette voiture est très bien, d'après vous. Évidemment. Et puis, vous savez, Carpeau, avec les temps actuels, il faut compter... Oh, il ne faut pas me dire ça à moi, monsieur Boitel. Évidemment, j'ai le secret professionnel, mais je connais votre compte à l'agence. Tout ce que vous avez, il faut bien faire quelque chose. Évidemment, maintenant que votre femme est revenue, vous aurez davantage d'occasions de dépenser. Ma femme n'est au courant de rien. Il n'empêche que l'argent, c'est fait pour rendre service. Vous êtes mal placé pour dire ça, Carpeau. Oui, bien sûr, monsieur Boitel.
Mais en ce qui me concerne, vous aurez tout à la fin de l'année. Vous me rembourserez quand vous pourrez. Vous reprenez la même chose ? Oui. Garçon, la même chose. Oui, monsieur. Pardonnez-moi pour ce que je viens de vous dire, Carpeau. Je ne voulais pas vous vexer, surtout un jour comme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir comme cette voiture nous fait plaisir, à Marie-Josée et à moi. Ça va changer ma vie. Ah, s'être privé de tout jusqu'à 56 ans, c'est vraiment trop bête. La vie est courte. Les jeunes gens ont bien raison de se payer tout ce qui leur fait plaisir, et le plus tôt possible. Tenez, regardez ma femme, vous qui êtes au courant de la situation. Vous pensez qu'elle avait une vie gaie avec moi ? Vous savez, je... Mais si. C'est pourquoi nous allons nous rattraper. Mardi, nous prenons la route à 4 heures et nous passerons la nuit à Orléans. Et le lendemain, nous irons jusqu'en Auvergne. Nous reviendrons quelques jours plus tard, quand nous voudrons. Vous faites quelle heure avez-vous ? 11 heures. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons chercher Marie-Josée et nous irons faire un tour avec la voiture, avant de déjeuner. Aujourd'hui ? C'est dimanche. Et alors ? Il y a du monde sur les routes. Qu'est-ce que ça fait ? Si on est retardé, nous irons au restaurant tous les trois. Une première voiture, ça s'arrose, non ? Pour monsieur, ça a l'air de vous en avoir mis un drôle de coup. Oh, ça. Vous étiez ami avec monsieur Boitel ? Eh oui. Madame Boitel est chez elle ? Non. Elle est partie à la morgue. Mais si vous voulez me donner votre nom, je lui ferai la commission quand elle reviendra. Monsieur Le Bail. Mais dites-moi, comment est-ce que ça s'est passé, cet accident ? Ben, voilà. Faut dire que l'orgueil est toujours puni. Oui. Boitel venait d'acheter une voiture. Une voiture de sport, comme on dit. Oui. À 56 ans. Tout ça, évidemment, ça devait être une idée de sa femme. Parce qu'elle est revenue, après 3 ans d'absence. Elle savait ce qu'elle faisait, celle-là. Hier matin... On leur a donc apporté la voiture, oui. Et ils ont voulu aller l'essayer avec Monsieur Carpeau, un garçon qui travaille à la banque d'à côté. Vous le connaissez ? Oui, comme ça, oui. Donc, après avoir acheté la voiture, ils sont montés tous les deux dans l'appartement. Et ils voulaient que la femme vienne faire un tour avec eux. Elle a refusé. Elle a eu le nez creux, hein ? Ah, c'est pas pour dire. Donc, ils sont partis seuls. 2 heures plus tard... La police est venue pour annoncer qu'il y avait eu un accident. Ah bon ? Monsieur Boitel était mort et Carpeau blessé. C'est lui qui conduisait. Et naturellement, il a fait une faute. Mais justement, il paraît que non. Hein ? On dit que c'est la voiture qui s'est couchée. Il faut dire qu'elle était d'occasion et en mauvais état. Mais qu'en savez-vous ? Moi, rien. Mais j'ai une voisine qui a vu le vendeur. Une espèce de petit sauteur. Enfin, on ne peut pas juger les gens comme ça. Ni une voiture sur un vendeur. Oh, moi, pour ce que je vous en dis, vous savez. Seulement, quand on ne connaît pas, ben, faut savoir repérer une fripouille. Si je vous disais ce qui est arrivé à mon gendre, notez bien que ce n'est pas la même chose. Mais dans le cas de ce pauvre monsieur Boitel... Mmh. On peut se poser des questions et se demander... Se demander quoi ? Ce qui a pu se passer. Ça faisait 3 ans que cet homme-là vivait seul, vu que sa femme était partie. Mais des fois, elle revenait le voir. Oui, il était plutôt gentil comme homme. Oui. Oh, avare, notez bien. Oui. Avare, mais gentil. Mais sa femme, il l'aimait. À preuve, c'est qu'il l'a reprise. Résultat ? Il achète une voiture dans laquelle elle refuse de monter et il y a un accident. Je ne vois pas le rapport entre le retour de Mme Boitel et l'accident. Si elle est revenue, c'est qu'il y a une raison ou un intérêt. Quel intérêt ? Si Boitel était retraité d'une banque, c'était même pas la fortune qui... Croyez ce que vous voulez. En tout cas,
Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon métier, on voit des choses. Oh. Surtout quand on fait le ménage et qu'il y a des papiers qui traînent. Seulement, on ne dit rien. N'est tout de même pas le secret professionnel, quoi. Il manquerait plus que ça. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus de justice. Vous n'êtes pas de la police. Ah non, non, non. Alors, moins on en dit à des inconnus, mieux ça vaut. Il n'empêche que Madame Boitel a fait acheter cette voiture à son mari. Mais elle, qui est crâneuse comme tout, pourquoi est-ce qu'elle lui a fait acheter un taco et non pas une belle voiture? Un taco. Parce que, de vous à moi, il aurait pu acheter mieux. Il aurait même pu acheter beaucoup mieux. Une voiture avec un capot grand comme ma cuisine. Et même avoir le chauffeur avec. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Oh, rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que ça rapporte d'écouter la radio et de griffonner sur des petits carrés de papier. Ah bon? Voilà, monsieur le bail. Mais pour ce qui est de votre visite, j'en parlerai à madame Boitel quand elle reviendra. Comme disait l'autre, maintenant qu'elle a fermé les yeux à son mari, elle va pouvoir ouvrir ses tiroirs. Émile! Émile! Ah, te voilà, toi! Ah, bah, te fâche pas! Pas me fâcher! Non, mais tu te fous de moi, toi! Hier matin, t'as fracturé ma porte pour récupérer ta voiture, et tu voudrais que je reste calme? Non, mais tu te fais des illusions! Je vais aller déposer une plainte! Ah, le voilà, ton argent! Hein? Bah, tu peux vérifier si tu veux. Ouais, bah, je vais me gêner. Bon, alors, le compte y est? Oui, oui, tout juste. Bon. Oui, oui, évidemment, on a tort de s'emballer, mais enfin, avec la vie qu'on mène, tu sais, hein. Allez, hein, on prend un verre tous les deux. Non, il faut que je te parle. Il arrive un coup dur. Vas-y. Boitel s'est tué avec la décapotable. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Ben, pour le moment, j'en sais pas plus. C'est déjà pas mal. Il était assuré? Ben, j'en sais rien. C'est d'ailleurs pas lui qui conduisait. Ça va peut-être arranger les choses, si le conducteur a fait une faute. Bah, hein. Il paraît que non, en tout cas, il est blessé. Les voitures se seraient couchées sur la route, il paraît. Bah, à son âge, ça devait être de la fatigue. Ah bah, c'est bien le moment de rigoler. Hein. Enfin quoi, Émile, cette voiture, quand je l'ai achetée, moi, elle était en bon état. Mais comment le sais-tu? Tu n'y connais rien. Mais le type qui me l'a vendue, il l'avait eu neuve. Oh, tu parles d'un argument pour un juge. Ça ne le fera même pas rire. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es responsable comme vendeur. Je suis responsable, quoi. Oui. Et alors, je trinquerai? Ah ben, elle est belle, la justice. Enfin, toi, tu le sais qu'elle était impeccable. Elle en avait l'air, oui, ça, oui, oui. Mais enfin, officiellement, je ne sais qu'une chose. Cette voiture se trouvait dans un local que je te louais, mais ce qu'elle avait dans le ventre, je l'ignore, moi, ne l'ayant jamais, jamais regardée. Bon, que tu dis? Que je répéterai quand tu voudras. Dis donc, Émile, samedi matin, tu m'as bien prévenu que si je sortais la voiture en ton absence, il pourrait m'arriver un pépin. Oui, et alors, ça n'est pas le cas, si, peut-être. Si, justement. Mais un pépin, ça peut se provoquer. Oui, exact. Ça s'appelle même un sabotage. Et s'il y a mort d'homme, un assassinat. Mais dans ce cas-là, il faut prouver son accusation. Sinon, c'est grave pour celui qui accuse. Ça peut même lui coûter très cher. Mais je t'ai pas accusé. J'ai pas fini. Non seulement je ne suis pas un assassin, mais les ouvriers témoigneront que j'ai pas approché la voiture durant la matinée de samedi. À midi, je suis parti. À 1h30, j'étais à Évreux. Et ce matin, la voiture n'était plus là. Alors maintenant, dis-moi ce que tu veux. Ben, je voulais juste un petit service, quoi. Hein? Dis donc, ça t'ennuierait beaucoup de me faire un papier, enfin un petit papier comme ça, quoi, comme quoi t'avais révisé la voiture avant la vente, ou bien alors une facture. Pour que tu te retournes contre moi après, oui. Oh, ben ça, c'est une bonne idée. Dis donc, tu sais ce que c'est d'avoir une assurance sur le dos? Non? Eh ben, tu vas sûrement la prendre, parce qu'elles vont s'embêler. Et puis peut-être la police aussi. La police? Toi, t'es fou, pourquoi la police? Parce que Boitel était le mari de ta maîtresse. Je t'ai dit qu'on avait rompu. Mais oui, même si c'est vrai, qu'est-ce que ça change? T'as réfléchi un peu. Logiquement, Marie-Josée est obligée de faire quelque chose. Ou bien c'est la faute du chauffeur, ou bien c'est la voiture.
Et suppose que Boitel ait une assurance vie, par exemple. Oui. Ben, pour ne pas payer l'assurance, fait un procès. Elle déclenche une enquête de police. Et là, on sait comment ça commence, mais pas comment ça se termine. Après tout, t'avais un mobile de te venger. Hein? Je vois pas lequel. Une fois arrêté, on te demande pas de voir. On voit à ta place. Enfin, encore une chance pour toi, que le mari était un minable. Mais c'est que justement, non. D'après la concierge... Oh, quand on parle avec toi, c'est comme quand on lit un feuilleton. Il y a un rebondissement par épisode. Quoi, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la concierge? Bah, que Boitel aurait pu s'acheter une voiture formidable. Ah ben, il a été bien inspiré en me donnant la préférence. Donc, il avait de l'argent. Ouais. Ouh, mais ça change tout, ça. Pour toi, peut-être, mais pas pour moi, parce que moi je suis innocent, tu comprends? Je suis innocent, moi! Un bon conseil, mon petit gars. Dis jamais une chose pareille à des policiers. Il n'y a rien qui les braque davantage. Soyez calme, monsieur Carpeau. Voulez-vous que j'appelle l'infirmière? Non, merci. Vous souffrez beaucoup. J'ai juste une fracture. Mais c'est à Lucien que je pense. Ça a été terrible. Pour vous aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Plus que vous ne le pensez. Et comment est-ce que cela s'est passé exactement? On venait de quitter le tunnel de l'autoroute et on roulait à peine à 100 à l'heure. Brusquement, la voiture s'est couchée sur le côté droit, à l'avant. J'ai freiné. Après, tout a été vite. On a heurté un poteau de ciment, puis encore un autre. Comme on avait rabaissé la capote, Lucien a été éjecté. Moi, je tenais le volant, c'est ce qui m'a sauvé. Mais il n'y a pas eu de faute de ma part, hein. Même qu'on m'a fait une prise de sang par la suite. Mais je ne vous accuse pas, monsieur Carpeau. Il n'empêche que la police est venue me voir ce matin pour me poser des questions. Peut-être est-ce réglementaire après un accident sur la voie publique? C'est surtout parce qu'on cherche un responsable. Alors autant que ce soit moi plutôt que... Que qui? Écoutez, monsieur Carpeau, je suis venu vous voir en ami, non pas pour vous causer du tort. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et de qui voulez-vous parler? Je ne sais pas, moi. Du vendeur, par exemple. Vous savez, l'insomnie, ça aide à réfléchir. Alors on se pose des questions. Cette voiture-là, c'est vous qui l'avez voulue d'après votre mari? Bien sûr. Et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Parce qu'elle était dans nos moyens. Écoutez, vous me demandez de vous parler franchement et vous faites tout le contraire. Je vous prie de vous expliquer. Bon, si vous y tenez, moi je veux bien. Mais il faut pas vous fâcher. En revenant, au bout de 3 ans, vous connaissiez la situation de votre mari, n'est-ce pas? Non. Et c'est aussi ce qu'il m'a dit. Mais enfin, il vous aimait et il devait pas avoir de secret pour vous. Vous saviez qu'il avait de l'argent. Ce matin, j'ai trouvé quelques papiers et une police d'assurance vie à mon bénéfice. Je viens même de faire la déclaration. En dehors de ça, il avait des petites économies, bien entendu. De petites économies? Vous appelez ça des petites économies, 1 million? Bah, évidemment. 1 million nouveau. Quoi? Oui, mais ça, je le sais. C'est moi qui m'occupe de son compte à l'agence. Mais ce n'est pas possible. Mais comment aurait-il gagné une somme pareille? En 20 ans, et en ne pensant qu'à la bourse. Il lisait toute la presse, faisait des fiches et prenait des notes. À l'agence, tout le monde s'en amusait. On avait bien tort. Il avait des dossiers sur 4 affaires, mais il les connaissait à bloc, et il avait du nez. Ensuite, il s'est mis à prêter de l'argent, et pas pour rien, je vous prie de me croire. Je vous jure que j'ignorais tout ça. Oui, moi, je veux bien vous croire. Je n'en ai même pas parlé au policier qui est venu ce matin. Pourquoi pas? Et pour pas vous faire du tort. Vous savez, ces gens-là, ils cherchent toujours à qui la mort profite. Hein? C'est ignoble ce que vous dites. Peut-être. Mais il faut se mettre à leur place. Ce Gérard Lebaille, vous le connaissiez bien, n'est-ce pas?
Oui. Vous le connaissiez très bien? Si vous voulez. Oh, moi je ne veux rien. Quand on est venu vous chercher avec Lucien, vous avez refusé de monter dans la voiture avec nous. Vous avez bien vu que je préparais le déjeuner. Mais Lucien voulait qu'on aille au restaurant tous les trois. Vous pensez réellement ce que vous dites? C'est selon. C'est selon quoi? Ce que vous déciderez contre moi. Pour la police, l'enquête ne sera pas facile vu l'état de la voiture. Mais supposez que vous m'attaquiez comme responsable de l'accident. Je n'en ai pas l'intention. Vous avez tout de même écrit à l'assurance vie. Et ces gens-là vont chercher des histoires pour ne pas payer. C'est fatal. La lettre n'est pas partie. À mon avis, ce serait peut-être mieux qu'elle ne parte jamais. Évidemment, vous ne toucheriez pas la prime, mais avec tout ce qui vous reste, ce n'est pas grave. Enfin, c'est à vous de voir. Moi, de mon côté, je suis bien décidé à ne parler de rien ni de personne. Seulement, il y a une chose qui me ferait plaisir. Et dites. Ben voilà. Quand vous ouvrirez le coffre de Lucien à l'agence, vous trouverez un petit papier qui me concerne. C'est une reconnaissance de dette que j'ai dû signer quand j'ai acheté mon petit studio. Ça représente à peu près le montant de ce que pourrait me coûter cet accident. Tout frais compris. Qui est-ce? C'est Madame Touzet. Mais que voulez-vous? Il y a du courrier, Madame Wattel. Glissez-le sous la porte. Il y a aussi autre chose. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est au sujet d'un monsieur qui est venu hier pendant que vous étiez sorti. J'ai oublié de vous le dire. Il voulait sûrement vous voir. Enfin, vous, ce pauvre monsieur Boutet. Et il vous a donné son nom? Oui, le bail. Enfin, quelque chose comme ça. C'est un garçon charmant, très élégant. Il a essayé de me poser des questions au sujet de l'accident. Mais avec moi, hein, il tombait mal. Enfin, vous me connaissez. Oui, Madame Toussaint, oui, je vous connais. Monsieur Carpeau va mieux? Oui, ça va. Quand vous retournerez le voir, dites-lui bien le bonjour pour moi. Il était tellement convenable et gentil. Je lui ferai la commission, c'est tout ce que vous aviez à me dire. Non, enfin, pas tout à fait, non. Mais je ne voudrais pas vous déranger. Je vois que vous étiez en train de travailler. En effet, oui. Oh, forcément, dans les malheurs, il y a toujours des choses à faire et des papiers à remplir. Mais si vous avez besoin de quelque chose, hein, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis à votre disposition. Merci. Comme du temps de ce pauvre monsieur. C'est vrai, dans une maison, il y a toujours du travail. De l'ordre à mettre, ou du ménage. Vous comptez garder l'appartement? Oui. Vous avez bien raison. Surtout quand on a quelqu'un sous la main qui peut rendre service. Ça, je crois que votre mari était bien content de m'avoir. Il me disait même toujours qu'il n'oublierait pas. Dans un testament. Enfin, c'est peut-être pour rire. Peut-être. Je le pense aussi. Mais il ne vous devait pas d'argent. Oh, de petites bricoles. Je vous montrerai ça quand j'aurai le temps. Rien ne presse. D'autant que je reste à votre disposition. Mais oui, c'est entendu, Madame Touzet. Il n'y a aucune raison que vous ne continuiez pas à faire un peu de ménage, d'autant que vous avez une clé. Oui, oui. Je vous doutais bien que vous seriez d'accord. Vous avez dû remarquer, hier, j'ai rangé la penderie. Je me suis même permis de poster une lettre que vous aviez oubliée en partant. C'était pour une assurance. Ne me remerciez pas, Anne, pour le timbre, non. Oui, je l'ai mis dessus, mais je l'ajouterai à ma petite note.
je te remercie de tes condoléances, Gérard. Mais c'est bien normal, qu'est-ce que tu veux. C'est tout ce que tu as à me dire. J'aimerais. Non, 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 bien sûr. Je peux entrer. Si tu y tiens. Ah là 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 là. Tout ça, c'est terrible, c'est épouvantable. Enfin, c'est vrai, vous alliez être heureux tous les deux. Puis alors là, la tuile, quoi. Enfin, j'arrête pas d'y penser. Là, oui. Alors je me suis dit. Enfin, je me suis dit que dans ces moments-là, une présence amie, ça ne peut que faire du bien, évidemment. Pas obligatoirement. Ah ben, toi, t'es aimable. Ne t'aurais pas un peu de café là? Non. Enfin. Enfin, le principal, c'est que tu ne sois pas dans la gêne. J'espère que ton mari ne te laisse pas sans rien. Tu me réponds pas. Et pourquoi? C'est drôle, ça. Tu as l'air de m'en vouloir. Enfin, cette voiture-là, elle était impeccable. Tu entends? Elle était impeccable. Carpo lui-même l'a reconnue. Tu peux aussi en parler à Tual. Avec le temps qu'il a passé dessus pour la mettre au point, C'est sans doute pour cela qu'elle s'est couchée sur la route. Ben évidemment, avec une faute de conduite, tout est possible. Parce que l'ami de ton mari, je l'ai vu conduire, tu sais, c'est pas Fangio, j'ai tout de suite compris. Il n'y a pas eu de faute de conduite. Il n'y a pas eu de faute, comment le sais-tu? Par des témoins qui roulaient derrière lui. Ils étaient peut-être derrière lui sur la route, mais ils n'étaient pas devant lui au bistrot. Hein? Parce que moi, je l'ai vu s'envoyer du whisky. Oui. Sans compter ce qu'il a dû boire après mon départ. Oui, tu joues de malchance. La prise de sang n'a rien donné. Eh bien, tant mieux pour lui. En tout cas, moi, je suis venu te dire, en ami, que je suis sûr de la voiture. On ne le dirait pas. Tu es blanc comme une serviette. Tu me détestes, hein? Même pas. Mais de quoi as-tu peur si tu as ta conscience pour toi? Je sais pas, moi, mais j'ai l'impression que tu veux me mettre dans le bain, me pousser à la ruine. Je n'aurais pas à pousser beaucoup. Mais ce sera encore trop parce que je ne me laisserai pas faire. Ah, vraiment? Oui. Et tu sais, parce que moi aussi, je me suis mis à réfléchir, figure-toi. Ah, oh, et qu'est-ce que cela a donné pour une première fois? À peu près ceci. Tu es revenu à cause de la fortune de ton mari. J'ignorais qu'il avait de la fortune. Menteuse. Même la concierge le savait. Mais pas moi. Oui, c'est facile à dire, ça. Oh, écoute-moi bien, mon petit Gérard. Je ne suis pas revenu parce que mon mari avait de l'argent, mais à cause de toi. Et cela dit, il est exact que mon mari avait un compte en banque. Ah! Et c'est sans doute pour ça que tu reviens les nageoires en avant. Non, non, je te prie d'être poli, hein. Mais excuse-moi, je manque de temps. La vérité, je vais te la dire. Cette voiture, tu l'as sûrement sortie à l'insu de Tual, c'est-à-dire sans la faire vérifier. Donc, tu es responsable. Ah, c'est toi qui le dis. Non, c'est la loi. Et tes menaces m'amusent. Pour le moment. Oh, me réfléchis donc. Même si j'étais revenue pour la fortune de mon mari, qu'est-ce qu'on aurait à me reprocher loyalement? Rien. Strictement rien. Ah, à moins que tu ne veuilles aller plus loin et parler d'une complicité entre nous. Dans ce cas-là, si je suis ta complice, tu es un assassin. Je t'en prie. Tu as raison. Tu es beaucoup plus à l'aise dans ton rôle de vendeur véreux. Alors reste-y. Donc tu m'attaques? Oh, mais non. Oui, ce matin, il est venu un inspecteur au garage. Oui, il a même parlé à Tual. Je n'ai pas porté plainte à la police. Ouais, c'est pire que la police. C'est un inspecteur d'assurance vie. Possible, mais j'y suis pour rien. Hier matin, avant d'aller voir Carpo à la clinique, j'ai effectivement écrit à l'assurance. Peut-être que je n'aurais pas posté cette lettre, mais de toute façon, la concierge l'a fait à mon insu. Un coup de zèle malheureux pour toi. Ah, tu parles? Ce type voulait même voir mes livres. Tu n'en as jamais tenu. Ben justement. Justement. Ah, mais voilà dans un beau coup, moi. Ben, sincèrement, et sans te vouloir de mal, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que dit Carpo? La voiture s'est couchée, la vérité, en somme. Non, mais dis donc, si je vais en prison, moi, tu penses à notre fille? Je n'ai pas besoin de ça pour y penser. Tu vois, il est 3 heures. Tout était organisé pour aller la chercher à Orléans. Nous devions partir dans 1 heure avec la voiture. C'est Lucien qui exigeait que Martine vive avec nous. Et alors? Alors rien, mon petit Gérard. Il y a des choses que tu es incapable de comprendre. Et maintenant, il vaut mieux que tu t'en ailles. Je te souhaite tout de même bonne chance. Bon,
Je suis M. Belœil, inspecteur de la tutélaire, assurance vie. Asseyez-vous, monsieur. Merci, madame. Vous devez être étonnée de me voir venir aussi rapidement. Ma compagnie a reçu votre lettre hier dans l'après-midi. Mais comme la police est assez élevée et qu'il s'agit d'un accident de la route, nous faisons une petite enquête de routine. Mais c'est bien normal. D'autant qu'il s'agit d'une simple formalité. J'espère ne pas vous importuner. Non. Vous êtes trop aimable. Pendant des moments pareils, celui qui reste a autre chose en tête que ses affaires d'argent. Il n'empêche que mon rôle est de voir ce qui a pu se passer et de faire un rapport à ma compagnie. Évidemment. Merci. Pour parler net, cette affaire nous surprend un peu. Ou bien c'est une maladresse du conducteur, ou bien la mécanique est en cause. Avez-vous l'intention d'entamer une action contre M. Carpeau ? Oh, non. Je pense que vous avez raison. D'après les témoins, il n'y a pas eu faute de sa part. Il reste donc la mécanique, puisqu'il y a eu rupture d'essieu. Notez bien que cet accident pourrait être éventuellement couvert par l'assurance de votre mari. Et alors ? Non, je dis « pourrait », car mon rôle est de savoir s'il y a autre chose qu'un accident. Et où voulez-vous en venir ? Mais à la vérité, madame Boitel, mais seulement à la vérité. Ce matin, je suis allé au magasin de M. Gérard Lebail, et j'ai vu son propriétaire, le garagiste. Oui. D'après ce que j'ai compris, vous connaissez le vendeur. C'est exact. Oui, vous le connaissez même au point d'avoir habité chez lui pendant 3 ans. Mais tout en gardant de bons rapports avec mon mari. D'ailleurs, nous n'étions pas divorcés. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ça ne prouve rien, car le divorce aurait pu coûter cher à votre mari. Bah, exactement la moitié de ce qu'il avait, puisque vous étiez marié à la communauté. Mais c'est une simple supposition de votre part, monsieur Belœil. Oh, mais c'est certain, madame. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligée de répondre à mes questions. Moi, je fais un rapport pour le contentieux, c'est tout. À eux de voir ce qu'ils doivent faire. Payer ou attaquer, si ça leur semble un peu... Quoi ? Ça, un peu bizarre. Ben, vous me croirez si vous voulez, madame, mais en 20 ans de métier, j'ai vu des gens renoncer à leurs primes par prudence. Mais ça ne sera pas mon cas. Mais je vous comprends. Donc, 3 jours avant l'accident, vous avez quitté M. Lebail pour regagner le domicile conjugal. C'est exact, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Ben, nous voulons seulement savoir si, après une aventure malheureuse, vous étiez sincèrement disposé à reprendre la vie conjugale, avec l'accord de votre mari, bien entendu. Car il y a une grande différence entre le fait de reprendre la vie conjugale et de revenir pour 3 jours. Dans ce dernier cas, on peut se demander la raison. Surtout quand il y a eu un accident. Je reprenais définitivement la vie conjugale. Oui, c'est ce que votre mari a dit à M. Carpeau, en effet. Mais ça doit vous suffire. Non, une minute, madame. En revenant définitivement, vous ne pouviez rien cacher à votre mari. Et surtout, pas l'existence d'une fillette dont il n'était que le père légal. Et je ne lui ai pas caché l'existence de la petite. Ah. Et il en était fier ? Évidemment. Mais alors... Pourquoi n'a-t-il jamais parlé de cet enfant à M. Carpeau ? Ni même à la concierge. C'est ça qui me gêne. Car enfin, si vous n'étiez revenu que pour 3 jours et dans un but précis, vous n'étiez pas obligé de lui parler de votre fille. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve de ma sincérité ? Pour être simple, une seule. Celle que votre mari connaissait l'existence de sa fille et qu'il était d'accord pour qu'elle habite ici. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un paquet. Entrez. Il y a un livreur qui a apporté ce paquet de la part de ce pauvre monsieur. Oui. Oh, mais moi, j'ai jamais vu un ours en peluche aussi beau. Oh,
Merci, Madame Tosé. Attendez, il y a aussi une carte de la main de ce pauvre monsieur. La voilà. Oui, merci. Merci, Madame Tosé. Madame, cette carte, vous permettez? Oh, oui, si vous voulez. Mais je ne comprends pas que vous soyez aussi contrariée, Madame Moitel. Cette carte qui accompagne cet ours est bien de la main de votre mari? Oui. Oui, il a dû acheter le jouet pour la petite. Afin qu'on lui en... Et c'est pour ça qu'il a écrit à ma petite Martine chérie, son papa. Son papa. Oh, madame, mais moi, je ne vous demandais rien d'autre comme preuve de votre bonne foi. Pardonnez-moi, madame. Son papa. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Vous avez entendu aujourd'hui « Le pavé de l'ours », un film radiophonique de Roger Faller, avec Jean-Roger Caussimon, Lucien Boitel, Hélène Sauvanex, Marie-Josée Boitel, Pierre Trabot, Gérard Lebail, Jean Péméja, Carpo, Christian Delanneau, Émile, Mag Avril, Madame Touzet et Pierre Stéphane, Belœil. Prise de son, Robert Pierrel, assisté de Jean-Claude Lagarde. Bruitage Nops, assistante Danielle Charlet. Réalisation Ange Gilles.